gars, nouvelle semaine qui commence. Donc là, direct, là, je viens juste de les rejoindre. On commence à avancer pour le local, là, les gars. Ah, ça va comment, frérot? On vient de se voir, il y a même pas 5 minutes. Regardez-moi ça. T'as pris quoi un peu? J'ai pris un bureau électrique. Toi, t'as pris un trépied. Ça, c'est pas pour le local, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est pour te mettre dans le cul, frérot. Après, c'est l'anniversaire de mon petit frère. Je lui ai acheté deux écrans gaming et tapis de riser. Voilà. C'est lourd tout ça. Et n'hésitez pas aussi, les marques, là, si vous nous voyez quand on arrive au local, là. Pour ceux qui sont chauds pour des trucs à envoyer, des claviers, des souris, des trucs, on prend tout. Et j'espère que les marques, vous avez entendu. En tout cas, les gars, j'espère que vous allez kiffer ce In The Life. Je sais que là, vous kiffez à balle dans les commentaires et tout. En tout cas, merci pour le soutien, pour ce concept. C'est tous les dimanches. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Vraiment, on compte sur vous. On regarde tous les commentaires, toute la team. C'est l'anniversaire à Coco. Oh, Coco, t'as quel âge, mon ref? Ah, devine. 27 ans? 28, frère. T'es sérieux ou quoi? Tu sais, crois-tu qu'il est mineur? Mais t'es mineur, non? J'ai 27 ans. Je te passerai le cadeau plus tard, frérot. Je te mens pas, j'avais oublié. Le seul cadeau, c'est ta présence, frérot. Elle est vraiment gentille. La vie de ma mère, il va avoir un beau cadeau pour la fête. C'est un malin, ce bâtard. L'essaye de m'amadouer comme ça. Par contre, moi, j'ai un truc à dire, Kitch. Ouais, dis-moi, gros. Ton setup, il est où, gros? Parce que. En fait, là, y'a pas de setup, là. On prend, et Kitch, il est plus là, quoi. Et la vie de ma mère. Très, très biaisé, tout, frère. Non. Kitch, il blogue. Il blogue, gros. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que moi, j'ai tout en France. Donc, en fait, je vais tout prendre de France et le ramener. Ça va prendre un peu plus de temps. C'est vrai. Regardez-moi ce bureau, les gars. Et si tu live pas avec ça, la vie de ma mère nous parle plus jamais. L'idée, je vous explique. C'est un mec qui dit ouais, je vais live. Il live jamais. C'est pas un mec qui va live, tu vois, de base. Donc forcez-le, les gars. Après, on va faire du cheval, gros. Ouais, on va y aller. On va faire du cheval. Cet après-midi, demain. Non, après. Ils m'ont bouqué de faire du cheval. Moi, j'allais faire du cheval, c'est comme ça. Mais dis-toi que là, je vais au coiffeur. Je dois mettre internet dans notre logement. Ta vie en fait là. Ouais, c'est life. Ok. Et lui veut que j'aille faire du cheval. Vas-y, va tout seul avec ton cheval, gros. Il se passe quoi, gros? Gros, c'est l'armée, gros. En vrai, là, il se fait harceler, tu vois. Je réponds et je dis oui, bonjour, vous êtes qui? Il me dit oui, bonjour, c'est l'armée de France, jeune national pour Corentin, c'est mon frère. Du coup, je lui dis bah attendez, je vous passe mon frère. Du coup, il a raté sa journée d'appel, gros. Là, du coup, c'est l'armée. Ah, il est au téléphone avec l'armée, gros. Il est dans la merde, il est dans un pépin, les gars. Il aurait fallu que vous ayez votre convocation du 11 octobre, mais si vous l'avez pas reçu. 11 octobre, en plus c'était mon anniversaire, on faisait la fête. Ta journée d'appel, tu peux pas la rater, gros. Ouais. C'est important. Allez, un billet d'avion, direction à l'armée. Vous allez plus voir cool, les gars. On va passer un dernier moment pour son anniversaire, on va se couper les cheveux. Ils vont te faire une boule à Z là-bas, gros. J'aide un peu, les gars. Tout se passe bien? Mais bien du tout, frère. Bah si, regarde, je t'aide. J'en suis sûr, frère. Vu le prix du bureau, il devrait se porter tout seul, quand même. Qu'est-ce qu'il veut me faire écouter, les gars? N'oubliez pas, dans la description, il y a mon Spotify, les gars, en playlist. Il y a tous les sons que je kiffe, donc n'hésitez pas à cliquer si vous aimez la musique. Vous écoutez avant de partir, c'est important. Ah, il est lourd. C'est Ziak. Ah, je connais déjà. Tu connais? Oh mon Dieu. Pour tous ceux qui connaissent pas, hein, dans la description. Je connaissais, mon ref, j'écoutais son album dans l'avion. Merde. Ouais, dans le nouvel album de Ziak. Trop lourd. C'est incroyable, Fiac. C'est musique, frère. Non, c'est pas Fiac. Franchement, c'est incroyable, sac. C'est même Fiac. Comment, frère, on a acheté tout le magasin ou quoi là? Oh wow. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Alors, on a trouvé une salle de sport. Okay. Une salle de sport, les gars, enfin. Salle de musculation. Et dedans, tu as piscine chauffée, sauna, hammam. Gros, tu vas aller en salle de sport ou tu vas t'amuser là? C'est quoi la salle de sport? Ping-pong, baby-foot. Y'a tout, frère. Jacuzzi pour 80 euros par mois. Les gars, j'y vais aujourd'hui. Non, en fait, ça c'est une salle pour s'amuser en fait, non? On va se régaler. Je vais faire une transformation de fou. Toi, tu vas la faire, la transformation sur In The Life, je pense. Avec moi. Et Ange, tu veux toi, transformation ou pas? Je vais transformer, gros, je suis gros. Les mecs, je suis gros. Est-ce qu'on peut aller visiter cette salle de sport cette semaine dans cette In The Life? Ouais, frère, bien sûr. Pour le prochain épisode. Le prochain épisode, ça va faire. Yes, on va demain. Yes. On va se couper les cheveux, moi, cool. Yes. Bon, du coup, le cheval, les gars, c'est demain. Après, si j'y vais pas, c'est normal, c'est du cheval, gros. Je kiffe les chevaux, mais... J'ai dit les chevaux. Et alors? Bah, c'est les chevaux. Non, c'est les chevaux. Thank you very much. Goodbye. Bon, cool. Il y a un truc que je t'ai pas dit, mon ref. C'est qu'on va se couper dans cette caravane là-bas. Non, tu rigoles. Je te jure. C'est construit, gros. Pour la première fois de ma vie, on va peut-être se couper dans une caravane. Attends, c'est pas sûr, parce que Jeff, faut voir le prix. Ouais, gros. J'ai pris mon Uber. Jure. Moi j'ai pris le tien là, je suis au train de ma chauffe. Ah ouais, leader s'est trompé d'humeur. C'est pour ça qu'il y avait un van. Je vais te tuer. Ah désolé, gros. Bon bref, les gars, on va demander s'il y a de la place pour aujourd'hui. J'espère qu'il pourra nous couper. Mais franchement, s'il coupe bien, ben, je viendrai souvent ici. Oh, regardez-moi ça. Je pense qu'il coupe bien, gros. Regardez-moi ça. Franchement, je sais pas, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il me dit qu'il est disponible. Ouais. Et en même temps, il veut finir de manger, je pense. Ah bah oui, c'est vrai. Et après, on se coupe. Normalement. On va manger, nous aussi.
Hein? On va manger? Avec lui? On va faire un compte, frérot, s'il te plaît. Oh, le dégradé du cheat, t'as peur. Oh, franchement, j'ai peur de me couper chez lui, mais bon. Cool, il a choisi son menu. C'est ta journée, mon ref. Aujourd'hui, il sort pas la carte, c'est moi. Il va beaucoup à raconter. Tu sais où j'ai trouvé mon. Mon pseudo? Où ça? À Burger King, avec l'idée. Alors, je vais chercher un pseudo, les gars. J'ai vu sur un menu Cool King. Là, c'est cool, mais c'est parfait. Et il est où le King? Il est là, c'est moi. Le King il ralasse. Le King il ralasse. Parce que c'est ton ami, il prend pas l'habitude. Je lui dis, vas-y, jette tout à la poubelle. Et il a jeté carrément le plateau à l'intérieur. Lui, c'est vraiment un sgeg. N'amenez jamais cool quelque part, les gars. C'est pas cool du tout. Aïe aïe aïe, le beau gosse. C'est pas fini, il y a le masque. Ouais, allez, dégale-toi. Après, ça attend, frérot. Là, je monte ma petite tête. Voilà, masque en or et tout, incroyable. You have another photo from this side. Like this, ah, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram, les gars. Regardez, moi-même, je me like tellement que c'est la hesse de like. Abonnez-vous, c'est hyper important. Et lâchez un maximum de commentaires. Important, les gars. Je vais vous expliquer une grosse dinguerie qui vient de se passer. Kitsch vient de remarquer qu'il a oublié son trépied dans le Burger King. Oh là 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 là. Alors, mon pote, il est en grand sein là. Ah mon gars, t'es pas comment c'est chaud là. Franchement, je pense que je vais revenir plus loin ici. Tu sais que je crois qu'on a jugé trop vite. Voilà, ouais, moi j'ai fait une story en mode regarde son dégradé et tout, alors que frère, ça va. Hein. Ouais, cool. Franchement, il coupe bien. Je suis content, je suis content. C'est chaud à trouver ça à mal, les gars. Je vais aller voir un type que vous connaissez sûrement. C'est un youtubeur. Il était avec nous il y a un peu de temps. Il faisait des vidéos avec nous et tout. Et là, il est revenu. Donc là, je vais aller le chercher. Parce que l'idée et tout, ils vont au cheval, tu vois. Du coup, là, je vais récupérer ce type en question. Ça va faire bizarre de le voir. Allô. Je crois que je vous vois. J'ai dit que je crois que je vous vois. Tu m'entends là ou pas? Oui, j'entends. Ok, ta mère. Ouais, vas-y. Ta mère, toi aussi, bâtard. Oh, les Maltesers. Bienvenue à Malte, amigo. C'est pas amigo, c'est une espèce de. Et c'est Saphiria Vampire, je vous ai dit, les gars, il est là. Oh, quoi le sang? Ah, tu vis ta belle vie de Maltesers? Franchement, c'est rien de toi, je suis ici, la vie de ma mère. En plus, on dirait le bled. En fait, j'aime pas parce qu'ici, je me sens dépaysé quand même, tu vois. Alors qu'en Turquie, je me sentais moins dépaysé alors que c'est la Turquie. Que t'as grandi avec derrière l'âme. Peut-être. Ouais. L'idée, il habite là. Je sais, et t'as dit bonjour? Il est monté dans le truc, il a pas capté. Et moi j'ai capté, je me suis dit nique ta mère. En fait il a capté, il s'en bat les couilles. Saphir, tu parles anglais toi? Je parle arabe. Vas-y, parle un peu pour voir. Et toi, tu dis quoi en anglais? Kahba. C'est la première fois que tu vas voir chez moi? Ouais. Tu habites sur Malte? Non. Bienvenue dans ma demeure. Pour moi l'intérieur il est beau. Ça te pensait en fait l'architecture d'ici. Ça te pensait à quoi? On dirait pas méchant mais genre on dirait comme chez les gitans. Gitans c'est moche à l'extérieur mais c'est beau à l'intérieur. Ah mais c'est plus que famille, l'intérieur est beau. Ouais, faut juste que j'aménage bien, tu vois, on va bien aménager là. Mais tu sais que moi au début j'aimais pas. Et genre Camille m'a dit ouais viens le visiter et tout. Moi j'ai dit non c'est mort. Mais au final en fait j'ai aimé. Ça y est, je peux recommencer les TikTok les gars. Regardez-moi ça, c'est une dinguerie. Ça graille, tranquille. Tu manges bien là? Ouais, de fou. Merci en fait. Tu me gâtes, ouais, pas de soucis frérot, tu veux un autre truc? Bon, je suis désolé, hein, Saphir il est venu et tout. Il a bien vu qu'il n'y avait pas de place chez moi parce qu'on vient juste d'aménager. T'es un gros mytho, tu m'as dit dégage. Donc toi tu veux dormir là-dessus là, normal? Moi je t'ai dit vas-y, ça me dérange pas et tu m'as dit non. Ok, et avec ton frère tu peux dormir là-dessus là, normal? Ça me dérange pas, on a déjà fait pire, on a déjà dormi dans des bois. Dans... Tu vas prendre tel hôtel là, je peux venir ou pas? Il y a de la place là-bas? Bah, il y a des lits au moins. Oh! T'as vu? Ouais, il y a une terrasse. C'est quoi que tu kiffes là-bas? Je pense finalement. Le lit, je vais me taper des barres du turfu. Non, il est pas cher, voilà, il est pas cher. Ouais, combien à peu près? 2 millions d'euros. Non, 150 euros. Bah, il te met bien ton frère Enzo? Tu m'as la vérité. Il a pris un avion. Moi, je vois l'hôtesse de l'air devant moi et tout. Elle me regarde, elle est comme ça, frère. Tout le monde est panique, moi je suis là, je kiffe le moment et tout, je souriais. Et il kiffe le moment. Mais qu'est-ce que tu racontes, gros? T'as fait ces montagnes russes? Quoi, gros, c'est un avion en fait. La prochaine fois, il va prendre la voiture et dire ouais, j'ai kiffé le moment. Une sensation de fou. Ça fait plaisir, là, il est venu pour régler des comptes. Bon, ouais. Vous allez voir sur les réseaux de toute façon. Je comprends pas trop leur bail, donc moi je vais vous montrer mes lumières. Je vais remplir carrément le bureau là-bas. On va faire un espace de travail pour moi et Camille. J'ai pris des lumières de chez Elgato. Donc s'il y a des marques qui veulent taffer avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a mon mail dans la description, c'est trop important parce que là, on vient juste d'aménager. Donc on veut vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'accessoires. Il n'y a rien à faire. Ils sont partis au cheval, du coup je peux plus y aller. Je rigole. Je serais y allé de base. Bon, ouais, Saphir n'a pas changé, les gars. J'en peux plus, les gars. Puis je me suis réveillé, je suis en train de nettoyer. Il y a trop de mouches ici, c'est un tel. Journée ménage, il a plu toute la night. Que des éclairs, j'avais plus d'électricité, j'avais plus rien. Vraiment, cette semaine est compliquée. Elle est compliquée. Donc, tellement j'ai mis ça. T'as vu quand il a plu? Toutes les mouches sont rentrées, elles sont calées sur le canapé, elles ont regardé la télé. Frère, c'est un tel. Je peux plus. Camille, elle est en train de dormir, elle est fatiguée, frère. C'est normal avec son opération du nez et tout ça. Après,
apprendre à une femme de ménage qui vient le mardi, le samedi. Mais de temps en temps, il faut nettoyer, tu vois. Genre tous les matins, là, je nettoie un peu, Camille nettoie un peu. Au moins, comme ça, quand la femme de ménage, elle arrive, elle nettoie vraiment les bails, tu vois, les rebords et tout. Parce qu'en fait, ici, c'est tarpin grand. Vraiment. Je crois qu'en vidéo, ça fait plus petit. Alors que quand tu viens chez nous ici, c'est tarpin grand, les gars. Tu vois, j'aime bien. Ça fait propre, c'est bien. Je rentre, ça sent bon, frère. Le bide, je suis trop fort, c'est bon maintenant. On va le rester à la fin. Merci l'équipe. Dis-leur l'équipe qui l'a. Ça va faire un petit tour de FIFA, je pense. Hein. Vous savez c'est qui le meilleur ici? L'idée qu'il joue à FIFA, les gars, je suis choqué. Depuis que je le connais, ce mec, il aime pas le foot de base. Moi, ce qui est le meilleur là, à FIFA. C'est moi, c'est toi? Bien sûr, bien fait. Je rigole. Pourquoi tu fais la gueule? Non, je regarde FIFA, mais j'aime pas FIFA. Non, parce que j'ai l'impression que tu surveilles la maison là. Après, t'as les bras croisés et tout, genre. La Camille est en train de commander les bails de Noël, les gars. Là, tu vas en rajouter encore? Ouais, je pense. Ou tu penses que ça suffit amplement pour tout remplir? Bah, quelques petits trucs encore. Ah, c'est moi, c'est ouvert. Ouais, moi, je sonne et alors c'est ouvert. Bon, là, on va chez Teuf. Je sais pas si vous connaissez, c'est un Twitcher. Il fait des lives sur Twitch. Là, on va aller chez lui, c'est magnifique de ouf. Non. Oh là là, ça pue, Marc. Saphir, c'est le plus naze, la vie de ma mère. Tu l'as acheté, Battlefield? Non, j'ai pas acheté. Il me dit d'acheter Battlefield et au final, l'achète pas. Ça veut dire qu'en fait, c'est lui qui a acheté Battlefield sur ma propre play. Et au final, il joue même pas, je joue tout seul chez moi, frère. Il t'a envoyé un message là, le proprio, à l'instant. Je ne peux pas être là à 14h. Allons-y à 18h, merci. Non, on est là. Je suis désolé, il est 13h, on vient en avance en plus. T'es dit, je peux pas parce que là, le proprio de l'appart là-bas, il doit faire toute ma salle de bain. T'as un vrai appartement. Ouais, t'aimes bien? Trop beau, ton tu me régales. Mais non, mais frère, je suis pas content, gros. Ouais, je sais, frérot. Il y a le Twitch, frère, on pourrait faire. De fou, on doit faire des live Twitch. En plus, là, il y a une petite nouvelle qui va arriver. On va vous montrer après. Oh, franchement, frère, ce local, il me rend fou. Mais il est beau, c'est ça le problème. Ce qu'il est beau, on va taffer dedans, les gars. Y a rien qui avance en vrai. Il faut juste que eux, ils finissent. Comme ça, nous, on pourra mettre nos setups, etc. pour commencer les lives. Et là, justement, on va parler au proprio et tout, on va le parler sérieux. Là, tout ce qu'on peut faire, frère, c'est de regarder et savoir tous nos projets qu'on a envie de faire dedans. Et impatient à l'idée, on va l'acheter à côté. Un saut, une serpillère, on va commencer à nettoyer, frère. Bah non, ils ont encore des trucs à faire, gros. Nous, on a rien à faire, gros. On a tout payé, frère. C'est pour justement, pour qu'eux, ils taffent. Ça, c'est à toi en plus, ça. Regarde, l'idée, il a déjà pris internet, la vie de ma mère. Il a pris 2-3 jours après qu'on a pris le local. Il y a internet, il y a tout. Le mec, il a même pas fini. On a la fibre pour les lives. On a une grosse fibre, on a tout bien. Je vais l'appeler le tunnel. Tu vas bien? Mais elle offre plus de l'heure. Alors qu'est-ce que t'en penses du local? C'est ouf, hein, c'est trop beau. Je vous ai dit, c'est elle, la petite nouvelle qui vient, vous la connaissez les gars, c'est Luna Love. Sinon ton voyage s'est bien passé? Ouais, c'était long mais ça a été. T'es content, hein? Il est content. C'est la fête. Ah, tu veux vraiment nettoyer, gros? Ouais, frère. Mais gros, c'est pas à toi de le faire, gros, un bout d'un moment. Vraiment, Il a pas blagué, il est parti direct acheter. Du produit, frère, et c'est fini, frère. Nouvelle aventure qui commence, regardez-moi l'équipement de l'idée. Waouh, faut que je te rattrape là. Première expérience, je vais faire comment, du paintball? Du airsoft. L'idée, lui, il en a fait depuis tout petit, donc. Et mon petit café, voilà. Le matin. C'est ma tête, on a vu, on n'a pas l'habitude. Ouais. J'avais fait une pause pendant 4 ans la fois. Et qui en joue, ils veulent pas pour la merde de café. Ouais. Ils veulent pas qu'on monte les lieux pour l'instant, tu vois. Ouais. On peut filmer en scred en vrai. Ouais. Bon les gars, je vais vous filmer ça en scred. Ça, c'est pour le prochain In The Life, dimanche prochain.